Hello tout le monde, c'est Aurélien 48206. Je vous reprends tout de suite, sans arrêt. J'ai juste bu un coup entre deux. J'ai fait une petite sauvegarde pour être sûr. Et on est reparti pour la suite des Sims 4. Donc, où pour l'instant on construit notre maison. Et après, on va pouvoir habiter dedans et faire notre vie avec notre Sims qui est ici là. Qui s'appelle, comme vous vous en doutez, Aurélien. Donc voilà, avec le magnifique nom de famille d'Aurélien 48206. Donc, enfin, plutôt 2-4-8-2-2-6. Ça ressemble à quoi, ça? Ouais, ça, c'est moche. C'est juste là. Le piqué qui change. Donc voilà. Je trouve que la maison, elle a un petit style moderne. Donc voilà. Donc l'intérieur. Comment on pourrait s'y prendre? Parce que là, pas beaucoup de place. Donc, on va... Et dans les meubles, on pourrait faire un petit coin de lecture ici avec des bibliothèques, des petits fauteuils là. Non, s'il te plaît, dans les meubles, merci. Là, donc, des canapés, un petit canapé, on va prendre le petit. Hein. Petit coin de lecture, on pourrait faire ça en quelle couleur? Faire ça en vert comme ça. Bibliothèque. C'est ça que je cherchais comme mot. Laquelle? Ça tombe bien, dis donc, celle-là elle est dans. Dis donc. Ça tombe bien, dis donc. Celle-là est dans le thème de la couleur de notre pièce. Donc, par contre, je sais pas quelle couleur mettre. Alors, on va prendre celle-là. Mettre une plus petite de la couleur du bois de la maison pour rappeler, non, c'est peut-être plus celui d'avant. Voilà, donc notre Sims, ça va être un musicien. Donc là, on va faire un petit coin pour écouter de la musique. Hein. Donc là, on accrochera des tableaux, des trucs comme ça. On va faire une petite, un petit papier peint sympa, sympa derrière. Voilà, on va peut-être essayer de mettre. Faire un petit salon comme ça. Un petit coin de lecture, quoi. Donc, coûte combien le tapis? Voilà. Donc là, avec un coin musique. Donc, guitare, 1 600. Je vais mettre là comme ça. Il y aura peut-être un piano là plus tard dans le coin. Enfin, ça plus un coin où il y aura des trucs de jeu comme ça. Donc. Voilà, en attendant, on va peut-être mettre un poisson rouge. 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 ça coûte pas si cher que ça, ça fait moderne. On va le mettre. Est-ce qu'on le met dans les tons de couleur de la maison? On va mettre dans la couleur du sable. Voilà, et que le petit poisson qui va bien. Donc ça c'est dans le bureau. Non, c'est pas le bureau, ça c'est loin d'être le bureau, ça s'appelle un bar ça. Salon, bureau.
ça, il y a le poisson. Faudra en acheter un. Ça en fera une autre fois. Donc, quand on aura notre sim, c'est tout. Ça c'est vraiment moche. On va faire ça. Ça colle mieux dans le thème. En plus, ça fait des petits trucs sympas en pierre comme ça. J'adore le concept. Donc voilà. Donc là, on va peut-être mettre un mur ou un truc comme ça avec une arche. Vous voyez, pour faire une séparation en fait entre. Je sais pas si une arche ou 3 de large. Normalement, c'est 2. Ouais, voilà, c'est 2. Donc ces arches ne seront pas centrées, c'est décidé. Okay. On va faire quoi? On va être dans la couleur de la maison et on va faire un mur en plus. Donc oui, je suis con, faut fermer le mur. Puis mettre l'arche. Prends la plus large. Hein. Rien que pour faire ça, on peut prendre une plus petite, une arche comme ça, venir mettre là. Voilà, je crois que c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, ce sera dans les autres couleurs de la pièce. Donc on va prendre l'outil pipette, hop, non je demandais, hop, pour venir finir la couleur de la pièce comme ça, c'est plus harmonieux. On pourra peut-être mettre des petites plantes, une petite plante et tout ici. Donc voilà, bon, on a déjà une pièce de la maison de fini. Maintenant, faut voir ici. Donc, attendez, je vais juste faire le toit. Le toit ici. C'est pas ça. Voilà. Non. Ça marche pas, ça. C'est juste pour la couleur du toit neuf. On va peut-être la changer, ça. Hop. Un carré là. Et. Hop. Qu'on va venir tourner. Non, c'est pas fait entre les deux, en fait, c'est ça qui est dommage. Donc voilà. Par contre là.
Ça va dépasser de ce côté. Ouais, on va laisser ça comme ça. Donc voilà, on a déjà cette partie-là de la maison parce que là, il n'y aura pas forcément de deuxième étage. S'il y en a un, ce sera ici devant. Oui, mais... Ah, pas grave. On va déjà garder ça comme ceci. Donc on va descendre d'un étage. Donc... Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Pas une bonne idée. Voilà, du coup on y voit mieux parce que si pas on y voyait que dalle. Donc l'outil pipette, hop hop, voilà. Peut-être mettre une petite fenêtre là. Non. C'est la bibliothèque. Si pas c'était extrêmement bien placé. On a enlevé juste le petit rebord. C'était super, super bien mis. Pas grave, on va venir mettre la bibliothèque de l'autre côté. On va venir faire ce qu'on va venir prendre le petit pipette. On va reprendre ça. À venir, on va faire hop hop, et ça fait moins bizarre tout d'un coup. Donc faut pas non plus qu'on dépense tous nos sous. Ah, hop, voilà, ça fait de la luminosité dans la pièce et c'est parfait. Donc là, à part la guitare dans un coin là-bas, il n'y a rien d'autre. Donc on va pas encore si on pourrait peut-être faire un salon ici, il n'y a qu'une télé et un autre canapé. Ouais. On va faire ça, c'est quoi? Canapé. Table basse. Ça j'aime bien. Je l'aime bien. Et si on va faire plutôt dans les tons bleus comme ça. Attends, je vais mettre de ce sens là. Dans l'autre sens. On va faire plutôt dans les tons bleus comme ceci. Foncé ou clair? Ah voilà, je sais. On va faire ça parce que là il y a le mur. Quand on y est le mur, on va le faire. Quoique non, on y aura peut-être plus clair. Donc là, j'ai d'ailleurs oublié de faire le sol. Donc, on va faire un truc très simple, on va faire ça et on va mettre un plancher qui correspond. Celui-là, je le vois bien, celui-là. Ce côté-là, on va mettre plutôt du bois blanc. Parce que vous voyez, c'est exactement le même. Donc, on va faire du bois blanc. Voilà. Et papier peint, ce sera du... Je sais pas, on va voir. Donc, on peut remettre les murs à fond. Voilà. Donc, papier peint. Voilà. On va faire le mur. Là, il va plus me rester grand chose comme argent. Voilà. On est reparti, on va s'amuser à chercher. Voilà. On va s'amuser à chercher dans toute la liste de papier peint et tout. J'aurais ou j'ai vu.
J'ai cru voir un truc en bois qui me... Ça pourrait être intéressant, ça, pour une pièce. Enfin. Voilà. Ah ouais, dans les lambris. Ouais. Donc voilà. Donc la télé de ce côté-là. On va peut-être pas prendre la plus grosse des télés pour l'instant, hein. Donc, salon. Prendre exactement le même canapé, mais dans les couleurs claires. Donc, voilà, moi je vois bien celui-là. Il se prête parfaitement dans l'ambiance, parce qu'avec la couleur comme ça, la couleur sable, c'est exactement la même. Donc, pour plus simple, on va faire ça. Et on va s'amuser avant à se rajouter une arche. Donc l'arche sera pareil, ce sera une simple. Donc on va reprendre la même. Il n'y a pas une arche avec une vitre au-dessus. Non. C'est moi qui ai dû rêver. Non, il faut la télé. Parce que, voilà. La télé, on va prendre celle-là. Ça risque de coûter cher, mais pourquoi pas en clair. Voilà, nous on est des riches. On se prend directement la grosse télé. Ouais, par contre, j'ai salle de bain et tout à faire. J'ai une chambre aussi à faire, une salle de bain. Au pire, les murs, on les fera après quand on gagnera un peu d'argent avec le travail. Donc. Bibliothèque. Bibliothèque. Non. Je sais pas pourquoi je vais dans bibliothèque. Avant de sortir la cuisine. J'aurais pas dû prendre tout ça. J'aurais pas dû. Bon. La cuisine, c'est nous, Schmitt. Plan de travail. On va pas prendre les plus chers. Sans douter, je prends les moins chers. Donc ça c'est quoi? Plan de travail moderne. Un meuble de cuisine moderne construit à partir de panneaux de particules. Particules de la meilleure qualité et équipé du stratifié le plus raffiné que l'argent peut acheter. Et l'autre c'est îlot moderne blanco. Économiser de l'argent et des efforts. Les portes sans poignées peuvent éviter que votre nourriture soit volée par des voleurs stupides et ou des adolescents affamés. Les résultats peuvent varier. Ça c'est moi, les voler la bouffe. Quand même pas, mais... Faire une cuisine dans ces tons-là. Faire un truc un peu barre comme ça, donc là on va laisser... pas faire un grand truc, hein, on va... Ça fait un truc bizarre. Contrôle Z. Rajouter un. Donc voilà, et là derrière, fioup, on fait un mur. Un mur. Ça va peut-être faire bizarre ça comme ça. Non, vous savez quoi, on va pas faire le mur.
On va essayer avec un mur. Voilà, on va voir ce que ça rend avec un mur. Parce que les tabourets, je voulais mal les mettre là. Parce que ça va être dans le passage, donc les tabourets plus ici. Bah, quoique là, c'est le port d'entrée, donc ouais, non, les tabourets sont ici. Donc la cuisine, elle s'équipe comment? Bah, avec un frigo. Le plus bas de gamme. Dans les couleurs, il y a du noir, donc je crois que le frigo, il va... Non, il va plus être blanc. Voilà. Le frigo. La gazinière. La plus bas de gamme dans les couleurs. Hop, un évier. On va le mettre de ce côté-ci. Une poubelle. Pas oublier l'alarme. La hotte. Et voilà, on a notre petite cuisine. Il manque les tabourets sur le devant. Sur le devant. On va prendre les tabourets basiques, mais on va les mettre dans la bonne couleur. C'est cette couleur là. Bien que les tabourets ne gênent pas comme ils sont bien. Donc ça va le faire, moi je vous l'ai dit, ça on va pas en mettre, parce que voilà. Ça c'est de la déco, on peut en mettre plus tard. Parce que 250 le truc, faut pas abuser non plus. Donc les murs. Donc oui, on va garder les murs derrière, on va faire une arche. Donc là, ça, là il y aura un mur pour que ça, ce sera la chambre là-bas derrière. Pour que ça fasse un peu moins bizarre. Oh non, ce sera la salle de bain ici. J'aurais pu mettre aussi un bar. Non, ça va pas être la salle de bain là. Ça va être la salle à manger. Non, c'est une répartie bizarre. La salle à manger sera ici. Celle-là, il était. Ouais, voilà. Donc là, il y aura un petit couloir et derrière, il y aura la salle de bain. Voilà. Là, là-dedans, ce sera la salle de bain. Là, c'est la cuisine. Donc, il me refaut mes arches. Parce que moi, je préfère mettre des arches que des portes dans mes constructions. Et je vais bientôt arrêter cet épisode. Ça fera deux épisodes de construction. Excusez-moi, je m'hydrate. On va finir la cuisine, la salle de bain et après j'arrêterai cet épisode. La salle de bain par contre là on va mettre une porte, on va mettre celle-là. Parce que voilà, elle est bien. On va la mettre dans les tons de la maison. Face de celle de la cuisine. Voilà. Donc le sol. Les murs, on va la mettre. Cuisine, je la vois bien dans des tons comme ça. Oui. C'est exactement le même. Ah, c'est plus ça.
Ça, c'est plus la cuisine. Voilà, bah voilà, on a une belle cuisine, manque le sol. On va peut-être pas mettre en parquet parce que c'est une cuisine. Donc on va mettre plus en carrelage. On va mettre un beau carrelage comme celui-là. Et pas un carrelage de salle de bain. Voilà, donc ça c'est une belle petite cuisine. Donc j'ai bien fait de pas prendre un terrain plus cher. Parce que voilà. Donc, la salle de bain. On s'attaque à ça, puis j'arrête l'épisode parce que l'épisode il va peut-être être un peu long. Pire, je le couperai en deux. La salle de bain. Ouais, le fenêtre, je les ai pas mises. Je regarderai pour en mettre la prochaine fois, mais quand on aura des sous. Donc, salle de bain. Attends, dégage. Salle de bain. On va aller dans outils. Salle de bain. Le peignoir, ça coûte cher. Ouais, quoique, c'est aussi cher qu'une douche. Même moins cher. La baignoire, je vais la prendre dans des tons normaux. Voilà, plus tard on rajoutera une douche. Ok, la baignoire classe là. Celles-là elles sont classe de baignoire. Voilà. Le prix aussi il est. On va rajouter des petites toilettes. Ok, j'ai toilette à 1000€. Pourquoi pas. On va les mettre là, comme ça on pourra peut-être faire un petit mur au cas où. Ça fait une grande salle de bain, mais après on pourra peut-être rajouter d'autres trucs. L'évier. Mettre celui-là. Poste de travail. Ouais, c'est du truc de cuisine quoi. On va se le cacher. Mieux on va en prendre le moins cher. On va pas s'amuser à prendre. Voilà. Voilà. Et alors, dans les murs et le sol, c'est surtout ça que. Ah oui, attendez. Voilà. C'est quel le plus cher, c'est celui-là. On va prendre ça. Et ça, on va venir le mettre ici. Pour que ça fasse un peu moins vide, vous voyez. Ça, je le rajouterai bien, mais non. Donc on te fait non. Tapis la sortie du bain. Ouais, 50. Voilà. Hop. Un petit tapis à la sortie du bain. Les éclairages, je le mettrai une prochaine fois. Donc, on va mettre le sol et tout. Comme ça, on pourra clôturer l'épisode un peu long ici. Donc, ça, je les mets en pierre comme ça. Et le sol. Sol, sol, sol. Sol, je mets ces pierres là. C'est pour ça que je les ai pas mis dans le terrain dehors tantôt. Et je les mets à l'intérieur. Et voilà. On a une magnifique salle de bain. Comme ça, quand il y a des fuites et tout, ça se voit pas. Et on a plus d'argent aussi. C'est super. Ah, c'est des super belles pierres en plus. Donc voilà. Bon, ben moi je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Si j'y arrive. Récapitulatif de ce qu'on a déjà fait. Donc on a fait le petit coin salon avec la télé, la guitare et le poisson rouge.
Et le poisson. Putain, cette porte. Voilà. Le coin avec le divan. Dommage, c'est pas la même couleur. Voilà. Un peu plus pétant celui-là. Donc le coin lecture. Hein. Donc toujours avec ces grandes vitres de chaque côté. Franchement, moi j'aime bien. Avec la bibliothèque là, l'autre bibliothèque pour rappeler la couleur. Là, dans la maison, je sais pas encore quoi je vais mettre. Donc peut-être celui-là. Moi ça me va. Moi ça me va de mettre du carrelage comme ça. Dans la maison, dans les allées. Il y aura ma chambre aussi. Et il y a un autre truc qu'on doit faire dans la maison, je crois. Ouais, on va faire un petit bureau. On va faire un petit bureau aussi. Donc on fera aller ma chambre de toute la cuisine. Ce sera avec le couloir compris. Et la taille de la salle de bain, ce sera un bureau. Donc voilà. Et on fera ça durant le prochain épisode. Donc là on a un genre de petit bar et tout, c'est cool. Ouais, ça va super bien ce carrelage là. Et donc voilà, donc la cuisine et la salle de bain. Donc la salle de bain, on rajoutera une douche ici quelque part dans le coin. Enfin, pour combler un peu les trous, une armoire comme je vous ai montré. Mais ça c'est quand on aura les moyens, parce que j'ai encore deux pièces à faire. Plus finir les quelques trucs, parce qu'on n'a toujours pas de toit. Donc ce serait peut-être bien d'en avoir un. Oui, là on en a un. Mais là on en a pas. Mais bon, les toits c'est pas le plus cher, c'est même gratuit je crois. Voilà, les toits c'est gratuit. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. C'était en 48226. Et moi je vous retrouve dans le prochain épisode. Pour continuer, terminer, si on a assez d'argent, cette maison qui va être pas mal hein, à côté des autres maisons. Au début je me dis je vais acheter celle-là. Là. Mais elle est moche. Donc, je vais pas prendre celle-là vu que Galax a déjà fait sur cette maison là. Je me suis dit pourquoi pas construire la mienne. Ouais. C'est bizarre avec les pierres là. Mais donc voilà. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc pour cet épisode. Donc c'est déjà le deuxième. S'il est trop long, je le couperai en deux, ça en fera trois. Et donc voilà. Salut tout le monde.